Cette vidéo est sponsorisée par Grand Blue Fantasy Versus, le tout dernier jeu Dark System, les développeurs de Guilty Gears et Dragon Ball FighterZ. Un jeu ancré dans l'univers de la très connue licence du JRPG animé Grand Blue Fantasy. Il inclut des artworks et des audios de personnes ayant fait partie des équipes de Final Fantasy. Le jeu vous offrira des graphismes époustouflants dignes d'un triple A. Un jeu d'action facile à prendre en main avec des attaques spéciales activables via un seul bouton. Oui, vous avez bien entendu un seul bouton pour lancer des attaques spéciales qui défoncent. Alors vous aussi inscrivez-vous vite à la bêta en passant par le lien dans la description et bénéficiez d'une opportunité de jouer au jeu gratuitement pendant tout un week-end. Les inscriptions se feront jusqu'au 25 mai à 8h du matin et les résultats seront annoncés le 28 mai. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une PS4, un compte PSN avec un PlayStation Plus actif, une adresse mail valable et bien entendu, ça coule de source, un accès à Internet. Dans Grand Blue Fantasy Versus, bastonnez-vous avec des personnages plus ultra stylés les uns que les autres. Laissez parler votre skill légendaire ancré dans le gamer que vous êtes et combattez pour l'honneur. Enchaînez vos combos les plus badass dans des effets d'action exceptionnels et combattez avec la troupe du Cirque du Soleil. Yaha, je vais te mettre à l'amende en 2 secondes. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ya. J'ai une grosse épée bleue. Tourbillon de la mort. Alors vous aussi, si vous voulez rentrer dans l'histoire, inscrivez-vous vite à la bêta fermée qui aura lieu du 31 mai au 1er juin. Grand Blue Fantasy Versus. Parce que vous le valez bien. Wow. J'ai perdu. On veut voir un maximum de wow dans les commentaires. Oui, la régie. On me dit dans l'oreillette que le budget de cette vidéo est passé intégralement dans l'intro. Ouais, bah, désolé, ça va. En même temps, je veux dire, les mecs, ça sert à ça, une vidéo sponsor. Ça sert à financer de grands projets tels que cette vidéo. Oui, je vous entends rigoler derrière votre PC. Mais vous croyez que c'est combien de temps de recherche, les mecs? Vous croyez que le concept se sort comme ça? Ça fait des mois qu'on bosse dessus. Et le perchiste, l'ingé son, la régie en image, le caméraman, vous croyez que je les paye comment tout cela? On est un staff derrière cette chaîne, je suis pas tout seul à bosser. D'ailleurs, on taffe sur un nouveau projet en ce moment. Bon, comme vous vous en doutez, ça va demander de l'investissement. On va devoir embaucher des gars pour l'équipe, on va investir dans une barre de travelling. On a quelques mois pour bosser dessus, ça risque d'être un peu short. Mais le principe, c'est de regarder des vidéos et d'essayer de ne pas rire ensemble. Ça va être hard, mais je pense qu'on peut le faire. N'oubliez pas, bien sûr, le pouce bleu, les mecs. Vous me faites péter la barre de like. Bien entendu, le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers. Tout est dans la description. Et le petit lien Utip pour aller regarder des pubs. Ingéson, c'est bon, nickel. L'image, cadrage impeccable, perchiste en place. On se calme dans la salle, s'il vous plaît. Silence, on tourne. Cédric, en régie, tu me balances l'intro? Wow. Non, je vous l'ai dit, les mecs, on est vraiment sur de gros moyens. Là, des fois, je me fais rire tout seul avec mes conneries. Essayez de ne pas dire wow. J'ai perdu. Non, je veux dire, les mecs, entre nous, il n'y a pas plus simple comme challenge. Autant essayer de ne pas rire, tu vois. Bon, bah, le rire, c'est une émotion que tu ne peux pas forcément toujours contrôler. Si je peux me permettre de ne pas être tout à fait d'accord avec vous, puisque le wow relève du statut émotionnel, médicalement parlant et sur un plan thérapeutique et pharmaceutique. Ta gueule! Pardonnez-moi, je ne fais que donner mon humble avis de scientifique. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. C'est pas intéressant. Tu te rends compte ou pas que tu gâches le truc? Bon, écoutez, on va pas tourner autour du pot, on va mettre tout le monde d'accord dès le début de cette vidéo. Au Brésil, une jeune femme est devenue la première personne trans au monde à subir avec succès une reconstruction vaginale grâce à la peau d'un poisson. Désormais, elle déclare se sentir comme une vraie femme. Plus connue sous le nom de poisson-chatte. Allez, c'est tout pour moi, retrouvez-moi tous les soirs au petit théâtre à partir de 20h! Non, honnêtement, tu y mets le nez, ça doit sentir un peu le merlan frit, mon gars. Tu veux te faire un petit saumon fumé un soir? Ah non, sérieux quoi. Écoutez les mecs, si à un moment donné de la vidéo, faut dire wow, c'est maintenant. D'ailleurs, j'ai perdu. Bon, c'est bon, je viens de redonner tout le monde. Je pense que vous n'avez pas mieux comme info news à me passer aujourd'hui. Et de toute façon, on ne verra pas mieux que ça. Try to not say wow challenge. D'où Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu. Jésus, il s'est collé un skin sur les mains. Putain, mais ça me donne envie de cliquer moi. Bon, et bien écoutez, c'est parti, j'ai toujours pas activé Windows. D'accord, il a fait un canard en neige. Est-ce qu'on est censé dire wow là-dessus? J'ai perdu. Ils nous mettent toujours une petite musique tech là-dessus ou quoi? Ouais, oh yes, excellent quoi, terrible. Alors c'est essayer de ne pas dire wow, hein. J'ai perdu. C'est pas essayer de ne pas dire terrible, de s'exclamer ou quoi? Voilà, on a tout à fait le droit. Excellent. Mais qu'est-ce qu'il ouvre comme ça? Une pierre dans une pierre? Et je parie qu'il y a une autre pierre dans cette pierre. Et ce serait pas des blocs de lave ça? Des blocs de magma ou quoi? Oh, excellent, un fossile. Terrible, quoi. Aujourd'hui, je vous le dis, on va voir des trucs de dingue. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va y aller crescendo. Ah, je vous le dis direct. Au début, on part tranquille, tu vois. Ah ouais, non mais regarde, petite animation et tout, comme ça, en briques qui se retournent, là. C'est fort, quand même. C'est fort, non, faut le souligner. Une crêpe.
Oh, oh non, terrible. Alors, il y a quelqu'un la dernière fois. Bah, il y a quelqu'un. En fait, il n'y a pas qu'une personne. C'est vrai que vous m'avez dit qu'on aurait dit un homme qui découvre le feu, des fois, quand je quand je m'étonne sur des trucs. Et c'est vrai, quand je me re-regarde, des fois, effectivement, quand je fais des... Oh. Ça peut arriver. Excellent, terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de déneiger son mur. Mais c'est... Je suis totalement satisfait. Oh, excellent, les trucs de parcours. Oh, terrible, quoi. Vous voulez qu'on fasse une vidéo réaction sur les trucs de parcours? Dites-moi dans les commentaires, là. Dites, là. Manifestez-vous, les mecs, là. Même les silencieux, là. On veut voir un maximum de wow dans les commentaires. J'ai perdu. Oh, terrible. C'est quoi, ça? Ah, d'accord, ok. Ah, ouais, terrible. Non, non, vrai, terrible. J'adore. Vraiment. Je m'épate devant un truc. Je m'extase devant un truc. Laisse tomber, quoi. Ah ouais, les laveurs de carreaux. J'ai toujours rêvé de faire laveur de carreaux. Juste pour faire ça. Juste pour faire ça. Voilà. Non, c'est vrai, je vous jure. Je vous mens pas. Ah, tu vois, il en a oublié un bout. C'est mi-satisfaisant quand même, tu vois. S'il va pas le chercher, non, il en a encore oublié un bout, non. Voilà, faut vraiment que ce soit clean, tu vois. Faut qu'on soit dans la satisfaction la plus totale. Là, c'était pas mal. Ah ouais, excellent. J'ai toujours voulu faire balayeur de rue. Juste pour faire ça. Non, franchement, faut avouer, c'est terrible. C'est terrible. Oh, ah ouais, excellent. J'ai toujours voulu faire nettoyeur de mur. Non, mais vraiment, regardez. C'est quand même... C'est satisfaisant, c'est, tu vois. T'as envie de dire le mot qu'il faut pas, tu vois. T'as envie de dire wow. J'ai perdu. Oh, ce canif, mon pote. Bah, laisse tomber, toi. Laisse tomber, mon gars. T'es pas clair. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chétanerie, mon gars? Oh, oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Non, non, c'est fort, regardez. On voit rien, on voit pas de coupure, tu vois. C'est ça qui est beau, regardez. Le truc, il est au millimètre, en fait. Ah ouais. Non, c'est beau. Non, c'est beau. C'est beau. Vraiment, hein? Ah, j'en veux un comme ça, moi. Moi, j'en veux un comme ça, les mecs. Oh, c'est tellement magnifique, quoi. Putain. Mais c'est pire, essayer de ne pas dire wow, quoi. Là, j'ai encore perdu, d'ailleurs. Là, vraiment, j'ai envie de chialer, quoi. J'ai envie de chialer. Ah ouais. Regardez ça. Petit robot dans ta bagnole qui range des valises. Oh là là, ce truc en image de synthèse, mon gars. T'as cru que t'allais me la faire à l'envers ou quoi? C'est lent, quoi. Terrible. Ah ouais, c'est comme ça qu'ils font les jeans et tout. Ouais, ouais. Terrible, quoi. Vous remarquerez que plus les années passent, moins il y a de tissu sur les jeans, plus ils coûtent cher. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. À la fin, tu te retrouves avec un string en jean, mon gars, 70 balles. Mais c'est du diesel, t'inquiète. C'est magnifique, quoi. J'ai envie de chialer. What the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde encore? On est censé dire wow là-dessus, bordel! Ah, j'ai envie de chialer, moi, quand je vois ça, quoi. C'est tellement poétique, c'est magnifique, c'est... What the fuck? Je suis resté flou pendant combien de temps, là? Non? C'est bon? Je suis net, là? Mais si, je suis très net. Régisseur, là, putain, putain. Tu vas pas être payé, toi? Bon, écoutez, c'est pas qu'elle me fait chier, ça compile, là. Mais on va marquer truc impressionnant de... Ouf, mon gars. Ah voilà, on va peut-être trouver des trucs de ouf ici. Peut-être qu'ici, on va trouver, tu vois. Ça va nous faire... Wow. J'ai perdu. Ah, mais terrible, quoi. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Cette qualité de vidéo, mon gars, j'ai envie de chialer. C'est trop pixelisé, on va en mettre une autre. Il y a encore des gens qui vont me dire dans les commentaires pourquoi c'est en 360p, quoi. Truc de malade, quoi. Voilà, là, on va trouver des trucs. Truc de malade à ne pas rater. Bah, vas-y, mon gars, fais péter ça, impressionne-nous. Non, mais attends, autant celle d'avant, elle était en 360p, celle-là, elle est en 144, c'est pas possible. Ah, autant pour moi, 240. Bon, écoutez, on va la regarder quand même, hein. C'est, voilà, c'est à moitié pixelisé, au moins, j'aurais pas besoin de flouter les gens au montage, tu vois. On voit rien. Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. Mais t'es ouf ou quoi, toi? C'est un putain de montage, mon pote. T'es malade, toi, ou quoi? Attends, attends, je l'ai armé. Je l'ai armé, je l'ai armé. C'est pas vrai, ça. T'es taré ou quoi? Impossible. Non, 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 non. Regarde ça quand il s'envole, mon gars. Impossible, mon gars. Mais gros, c'est quoi, ça? C'est la bête du Gévaudan, mais qu'est-ce que tu veux voir? Y a rien à voir, gros, c'est filmé avec les pieds en 144p, quoi.
Truc de fou, on dirait un animal, made in Marseille, 360p. Même pas, putaclic, c'est du 144. Putain, y'a rien à voir. Je viens de tomber sur un truc, les mecs, là, c'est aberrant. C'est des putains de conneries, mon pote. C'est des putains de conneries. T'imagines, toi? Attends, non, non, mais gros, t'imagines le G que tu prends au décollage? Regarde le G que tu prends. Déjà, je peux te dire, dès que le poids il tombe sur la planche, tes deux genoux ils te traversent le menton, mon gars, direct. C'est obligé. Ah, les conneries qu'on peut trouver des fois. Pourquoi c'est tout le temps des vidéos filmées avec des portables de merde comme ça, tu vois, des trucs bien à voir, mais jamais dans la bonne qualité. C'est comme ceux qui te disent qu'ils filment des fantômes, des machins et tout. Ils sont tout le temps en train de filmer avec un téléphone de merde, et en plus, ce téléphone de merde, ils le calent dans leurs doigts de pied, tu vois. Ou entre les fesses en guise de stabilisateur. C'est dommage. Regardez, c'est intéressant à voir ça. Bon écoutez les mecs, on va couper court à cette vidéo. Personnellement, le seul truc qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est cette news quoi. Là, on est sur la news de la journée. Si vous le voulez, vous mettrez pause, vous aurez plus d'infos. Bon écoutez les mecs, on se laisse là pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien entendu, je vous laisse quelques secondes pour aller voir cette vidéo. Elle est vraiment magnifique, il faut absolument que vous la voyez. J'ai pris du temps à la faire et tout. Il y a toute une régie derrière, il y a un concept qui est pensé. Enfin, on est tout un staff comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc vous pouvez aller la voir, voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et ciao tout le monde. Bye, la régie, le staff, on coupe.